Lisons ce matin deux passages. Sœur aimée, nous y allons. Je lis la parole de Dieu. Mm-hmm. Deux Chroniques 26, oui. Versets 15 à 21. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. Et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Il y a quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Regarde ton voisin de derrière, dis jusqu'à ce que tu deviennes puissant. Regarde celui de côté, dis jusqu'à ce que tu deviennes puissant. Jusqu'à ce que tu deviennes puissant. Mais lorsqu'il fut puissant. Son corps se leva pour le paître. Son cœur se leva pour se paître. Il y a quelqu'un, mais. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Maintenant, demande à ton voisin, quel genre de cœur as-tu ce matin? Il pécha contre l'Éternel. Il pécha contre l'Éternel. Son Dieu. Son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel. Il entra même dans le temple de l'Éternel. Pour brûler les parfums sur l'autel. Lui-même, il dit, je vais brûler maintenant les parfums. Je vais prendre la place des sacrificateurs. Le sacrificateur Azaria. Le sacrificateur Azaria. Entra auprès de lui. Entra après lui. Avec 80 sacrificateurs avec de l'Éternel. 80 sacrificateurs, avec les pasteurs. Hommes courageux. Oui. Qui s'opposaient au roi Ozias. Et des gens qui ont eu le courage de dire au roi, tu es roi, mais il y a des limites dans ta vie. Tu es béni, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu es honoré, tu as un gros poste, tu as une grosse voiture, mais ça ne te donne pas de toucher à tout dans la maison de Dieu. Et lui dit, et lui tu dit, n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, il y a quelqu'un, tu n'as pas le droit. Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. C'est pas ton rôle d'offrir des parfums à l'Éternel. C'est pas ton rôle de faire ce que les pasteurs font. Tu n'es pas devenu pasteur. Qui t'a établi pasteur, Ozias? Ce droit appartient au sacrificateur. Ce droit-là, ça appartient à ceux que Dieu reconnaît comme sacrificateurs. Fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Qui ont été consacrés pour les offrir. Chaque consécration détermine ta mission. Tu peux être consacré, mais il y a des choses que toi, tu n'es pas appelé à faire. L'huile sur ta tête ne te permet pas de faire tout. Il y a la mort devant. Sors du sanctuaire et tu commets un péché. Tu commets un péché. Et cela ne te tourne pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. Et cela ne parlera pas en ta faveur devant Dieu. La colère s'empara d'Ozias. La colère s'empara du roi. Qui tenait un encenseur en qui tenait un encensoir à la main. À la main. Un encensoir, c'est où on brûle l'encens. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs. Et comme il se fâchait contre les sacrificateurs, les pasteurs. La lèpre éclata sur son front. Dieu envoya la lèpre qui éclatait sur son front. En présence des sacrificateurs. En présence des pasteurs devant les yeux. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria. Le souverain sacrificateur Azaria. Et tous les sacrificateurs portaient leur regard. Tous les sacrificateurs portaient leur regard. Et voici. Il avait la lèpre au front. Il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors. Et lui-même se hâta de sortir. Lui-même a compris que c'est chaud, donc il a commencé même à fuir. Parce que l'Éternel l'avait frappé. Parce que l'Éternel s'était levé contre lui. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Les gens ont prié, ont jeûné, mais Dieu dit non. Le roi Ozias, malgré sa force, est resté lépreux jusqu'à sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Lui qui était roi a demeuré maintenant dans une petite maison éloignée. Car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils. Et oui, son fils était à la tête de la maison du roi. Était à la tête de la maison du roi. Et jugea le peuple du pays. Et jugea le peuple de ce pays. Donc son fils a pris sa place. Parole le grand Ozias, la personne qui était intelligente, la personne qui avait commencé à aimer Dieu, la personne dont le cœur battait pour Dieu, s'est laissé prendre par l'orgueil. Malheureusement pour lui, la lèpre l'a frappé. L'Éternel qui l'a élevé l'a rabaissé.
que ce ne soit pas ton cas cette année au nom de Jésus. Dis amen fort de toutes tes entrailles. Amen. Nous écoutons le deuxième et dernier verset. Apocalypse 2, verset 2 Apocalypse à 5. Apocalypse 2, verset 2 à 5. Ça, c'est à toi que Dieu parle ce matin. C'est à moi que Dieu parle ce matin. C'est à toi qui est en direct que Dieu parle ce matin. Donc, écoute ce que Dieu a à te dire. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton travail. Je connais ton travail. Et ta persévérance. Je connais comment tu as persévéré dans cette affaire d'église. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Je sais que toi, tu ne supportes pas ceux qui sont méchants, ceux qui sont hors de la volonté de Dieu. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et qui ne le sont pas. Et tu as compris que tous ceux qui disent qu'ils sont pasteurs, qui attrapent une Bible, à cause de ton cœur, tu as compris que c'est pas tous qui sont des vrais pasteurs. Et que tu les as trouvés menteurs. Et tu as trouvé que c'était beaucoup étaient des menteurs. Que tu as de la persévérance. Tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et toi là, à cause de mon nom, tu as beaucoup souffert. Je sais ça, mon Dieu. Et que tu ne t'es point lassé. Et tu ne t'es point découragé. Mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que ce matin j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. La manière dont tu m'aimais dès le départ. Je ne vois plus ça. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc souviens-toi d'où je t'ai pris. Répands-toi. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et commence à faire ce que je te voyais faire avant. Sinon. Sinon, je viendrai à toi. Je viendrai à toi. Je t'ôterai, oui. Je t'ôterai ton chandelier. Ton chandelier, c'est ta gloire, ta lumière, ta bénédiction, ton chandelier, ton étoile, la bénédiction, la prophétie sur ta vie. Je vais enlever. À moins que tu ne te répandes. À moins que tu ne te répandes ce matin. Parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Est-ce que tu peux t'asseoir? Bien-aimé. Ce matin, Dieu nous aime, dit Amen. L'amour de Dieu est manifesté par sa manière de parler lorsqu'il est sur le point d'accomplir quelque chose de grand dans ta vie. L'Éternel est un Dieu ordonné, est un Dieu rigoureux. Quelqu'un qui est ordonné est rigoureux. L'Éternel ne fait jamais rien dans la vie de quelqu'un si lui et la personne ne se sont pas parlé avant. Dieu t'a dit 2022, année d'excellence et de multiplication. Voici que, à l'entrée du troisième mois, le chiffre 3, qui est le chiffre de la résurrection, Dieu dit, je vais t'élever, je vais te faire grand, je vais te promouvoir, mais il faut qu'on s'asseye pour se parler. Et ce culte est une réunion entre toi et l'Éternel, où Dieu veut te parler pour que tu comprennes ce qu'il attend de toi. Je veux te dire que j'ai compris de par ces deux versets que ce n'est pas parce que tu es un membre de l'église que Dieu va te bénir. Ce n'est pas parce que tu es un vieux chrétien, une vieille chrétienne. Du genre, je suis chrétien depuis 20 ans, je suis chrétien depuis 10 ans. Ce n'est pas ça qui fait que Dieu va te bénir. Ce n'est pas ta durée dans la maison de Dieu qui te qualifie. C'est ton cœur et ton intégrité. Ce matin, Dieu vient parler à ton cœur. Il vient te dire qu'au-delà de tu seras béni, il faut que tu comprennes que lui, Dieu, il y a des choses qu'il a à te dire. Et il t'a donné l'histoire de Ozias. Ozias est qui? Un grand roi. Un roi qui a été roi. À partir de quel âge? À partir de 16 ans. À partir de 16 ans, Ozias a été un roi. Il a commencé à goûter à la royauté très tôt. Il a commencé à être élevé très tôt. Et il a régné plus de 50 ans sur le trône. Dieu était avec lui. Dieu l'a promu. Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni. Voyez-vous, quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu ne regarde pas tes antécédents. Dieu ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Les gens disent il est petit. Dieu dit je suis avec lui. Qui t'a appelé petit? Qui t'a rabaissé dans ta famille? Mais Dieu dit je suis avec toi. Et Dieu l'a élevé. Dieu a respecté sa parole. Quand Ozias est devenu puissant, quand Ozias a réussi, quand Ozias a commencé à travailler, quand Ozias a eu un contrat, quand Ozias a commencé à voir l'argent entrer, quand Ozias a commencé à voir qu'il a eu une maison, quand Ozias a commencé à voir qu'il s'est marié, quand Ozias a commencé à voir que les choses ont commencé à avancer, Ozias a oublié que c'est Dieu qui l'a mis là. Combien de nous, combien de personnes parmi nous, combien de personnes ce matin
ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Nous sommes tellement là à chercher ce que Dieu doit faire que nous oublions là où il nous a enlevés, là où il t'a retiré. Tu connais les problèmes de ta famille, tu connais les problèmes de ta lignée. N'est-il pas le Dieu qui nous prêche la lignée des sangs depuis longtemps? Ne connais-tu pas les blocages? Mais regarde-toi et regarde ta famille. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé là où tu souhaites, mais regarde ta vie à une paix que ta famille n'a pas. Et c'est ça qui fait la différence en Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, Dieu te demande de te souvenir. As-tu oublié le lieu où il t'a pris? As-tu oublié les moments où tu pleurais à lui? As-tu oublié les nuits blanches que tu passais dans sa présence? As-tu oublié les jeûnes d'Esther que tu prenais? As-tu oublié le temps de prière que tu faisais? As-tu oublié le temps où tu passais de maison en maison pour évangéliser, pour parler de lui? As-tu oublié ces moments? Dieu t'a regardé et Dieu a dit, je vais te bénir. Mais il dit, pourquoi maintenant que je t'ai béni, ton cœur a changé? Pourquoi? 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 Avant, tu disais à Dieu, si moi tu me bénis, je ne ferai pas comme les autres. Mais ne constates-tu pas que tu es devenu la copie conforme des autres? Tu comprends aujourd'hui que c'est très facile de parler des autres, mais regarde ta propre vie aujourd'hui. Dieu te parle, quel que soit ton titre, que tu sois bishop, que tu sois maman bishop, que tu sois pasteur, quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu? Où est l'homme de consécration? Où est la femme de prière? Avant que Dieu te parlait, tu respectais sa parole, tu avais soif de l'évangile. Mais aujourd'hui la parole de Dieu passe, tu dors. Pourquoi? Parce que tu as un toit maintenant, tu as un travail maintenant, tu as tes enfants maintenant, tu t'es marié maintenant. Dieu devient maintenant comme une formalité. Souviens-toi, souviens-toi, parce que Dieu te parle, parce que devant tes ennemis se lèvent. Il est le Dieu qui t'a secouru hier parce qu'il a vu ton cœur. Mais l'état de ton cœur a changé. Et Dieu te dit que si tu continues dans ce sens, lui aussi t'abandonnera. Frère, je ne te conseille pas de vivre l'abandon de Dieu. Quand Dieu t'abandonne, tu as comme l'impression que même les hommes puissants ne peuvent plus rien pour toi. Ozias était puissant. Ozias était un grand roi. Ozias avait des connexions. Il avait des ingénieurs qui faisaient de nouvelles armes pour lui. Mais le jour où Dieu l'a frappé, où sont ses ingénieurs? Le jour où Dieu l'a frappé, où sont ses amis? Le jour où Dieu l'a frappé, où sont les personnes qui l'aidaient à désobéir à Dieu? Aujourd'hui, tu as des amis qui te disent, oh, aujourd'hui, laisse l'église, restons ensemble, allons manger dans un restaurant. Mais le jour où Dieu s'élèvera contre toi, qu'est-ce qu'ils feront pour toi? Rien. Un homme sage, une femme sage, est celle qui sait s'aimer dans la maison de Dieu, sa foi. Je vis ma foi parce que je sais que le Dieu en qui je crois est celui qui est capable de m'aider. Ce matin, peut-être que beaucoup de personnes ne sont pas appelées à être sauvées. Parce que celui qui est sauvé est celui qui entend la parole de Dieu. Mais je prie que tu ne permettes pas un voisin de te mettre en arrière. Celui qui remue la tête n'est pas forcément celui qui comprend ce message. Celui qui comprend ce message est celui dont le cœur est touché, est celui dont le cœur est attristé. Pendant que je prêche, est celui qui se regarde et qui comprend que papa parle de moi. Dieu s'adresse à moi ce matin. Les amen ne sont pas ce qui montre que tu vas changer. Les ne sont pas ce qui montre que tu vas changer. Ce qui montre que tu vas changer, c'est l'esprit de Dieu qui est attristé dans ton cœur pendant que je prêche ce matin. C'est l'esprit de Dieu qui est attisé dans ton cœur. Comment reconnaître que quelqu'un a encore l'esprit de Dieu? Lorsqu'il finit de faire ce qui est mal devant Dieu, il ne peut pas dormir. Son cœur a mal. Personne ne l'accuse, mais l'esprit de Dieu est affaibli en lui. Frère, il m'est arrivé dans mon parcours avec Dieu de faire des erreurs, des choses que je ne voulais pas faire, des choses que j'ai fait puis après j'ai regretté. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Tu peux avoir peut-être été trop dur, tu peux avoir peut-être dit des choses et puis après tu regrettes. Mais qu'est-ce que te fait regretter? Le Saint-Esprit de Dieu en toi. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te dit que ce que tu viens de faire n'est pas de moi. Frère, si jamais je prêche ce matin et que ton cœur est serré, c'est parce que le Saint-Esprit est encore en toi. C'est parce que le
Saint-Esprit est encore en toi, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi. À quel moment je reconnais que je suis perdu? C'est quand l'homme de Dieu prêche et puis ça ne me dit plus rien. Pourquoi ça ne me dit plus rien? Parce que l'Esprit de Dieu m'a déjà quitté. Bien-aimé, ce matin, Ozias est un exemple. Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, Dieu était avec lui, Dieu a élevé son nom. Du petit enfant de 16 ans, il est devenu un roi respecté et respectable. Mais son cœur s'est enflé. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que nos cœurs s'enflent. Lorsque tu as un petit travail, ton cœur s'enfle. Lorsque tu n'étais rien devant la face de Dieu, quand Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche, va à droite, tu vas à droite, Dieu dit jeûne, tu jeûnes. Mais maintenant tu es trop loin pour jeûner. Maintenant tu es trop loin pour qu'on te parle. Ozias avait des pasteurs, Ozias avait son père, mais un jour il est rentré dans la maison de Dieu. Il dit lui-même va faire le travail du pasteur. Quel orgueil! Souvent tu penses que tu connais trop la parole maintenant. Tu allais à l'école, tu as tous tes diplômes. Donc ce que le pasteur dit, je peux dire. J'ai acheté ma Bible, il lit sa Bible, je lis ma Bible. Quand le diable commence à t'attirer vers le bas, voici de telles réflexions qui viennent dans ton esprit. Enfant de BCK, enfant de la cathédrale de la vie, que Dieu te ramène à ton premier amour. Ce n'est pas ce que tu fais là qui intéresse Dieu. C'est le départ. Ce que tu as fait avant, c'est ça qui l'a amené à t'aimer. Ce que tu fais aujourd'hui là, ça peut plaire à ton pasteur, ça peut plaire à l'église, mais ça ne lui plaît pas. Parce que les gens t'acclament parce qu'ils ne savent pas où lui t'a enlevé. Quand il te prenait là-bas, il connaissait ce que toi tu faisais. Aujourd'hui, il voit ce que tu fais. Ton père spirituel voit ce que tu fais. Il est fier de toi. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que tu faisais avant pour Dieu. Pourquoi as-tu autant changé? Pourquoi as-tu autant changé? Et ce matin, Dieu vient te parler pour dire, ma fille, mon fils, je t'aime. Mais où est passé l'amour que j'ai vu au départ? Où est passé la personne qui n'avait pas de transport, mais qui marchait le matin pour venir m'adorer? Où est cette femme? Aujourd'hui, tu es assis chez toi, tu prends un argument, il n'y a pas d'argent. Mais hier, il n'y avait pas d'argent, mais tu étais toujours dans ma présence. As-tu oublié? As-tu oublié? Tellement là à chercher l'enfantement, tellement là à chercher le mariage, tellement là à chercher le déblocage, que tu oublies que c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne cela. Et quand ce Dieu n'est pas fier de toi, que peut faire ton pasteur? Nous sommes toujours là à chercher des arguments charnels. On te montre le chemin. Non, toi tu as ton propre chemin. Oh non, je vais faire ça, je vais faire ça, tu vas faire ça. Si je fais ça, ça va aller. Tu as fait ça depuis combien d'années? N'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas épuisé? N'es-tu pas découragé? Ce que tu fais ne marchera jamais sans Dieu. Ta force ne sont pas tes diplômes. Tu penses que c'est tes diplômes. C'est Dieu qui est ta force. Regarde comment les choses baissent. Regarde comment ta vie pique. Regarde comme les choses sont en train de se stopper. Parce que tu as mis Dieu derrière. Tu es devenu l'apôtre Pierre dans la barque. Jésus dit passons de l'autre bord. Et au lieu de dire à Jésus comment je fais, tu veux montrer à Jésus que toi tu es un pécheur et que toi tu connais l'eau. Jésus Christ dort. Il dit je vais voir aujourd'hui ta connaissance. Et le vent s'est levé. Les difficultés se sont levées. Pierre est en danger. Il met les trucs de pêcheur. Il dit en pêche, on dit on vide l'eau. Il vide l'eau. On dit en pêche, on reste calme. Il reste calme. On dit en pêche, on doit faire un mouvement de groupe pour survivre. Il fait. Mais rien. Le vent devient de plus en plus fort. C'est là que Pierre revient pour dire Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Si quelqu'un peut faire comme Pierre ce matin, avoir l'humilité de revenir pour dire Seigneur, j'ai essayé mais je n'ai pas pu. Parle sur ma vie parce que la mort se lève contre moi. Dieu va te reprendre et va remonter avec toi. Bien-aimé, ce matin, ce message ne vient pas pour te condamner, mais ce message vient pour te dire que la démarche que tu as n'est pas digne d'un enfant de Dieu. La façon dont tu te comportes n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Il dit, je reconnais tout ce que tu as fait. À cause de mon nom, il le dit en Apocalypse.
À cause de mon nom, tu as souffert. Il y a des gens ici, à cause du nom de Jésus, vos familles vous ont fermé. Il y a des gens ici, à cause de ta foi, un homme t'a quitté. Il y a des hommes ici, à cause de ta foi, on se moque de toi dans ta famille. Il dit, je vois tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. La manière dont tu étais dégoûté avant. La femme que j'ai connue, l'homme que j'ai connu, le jeune que j'ai connu, je ne le vois plus. Je vois un homme qui vient à l'église et qui part chez lui. Une femme qui vient et qui va, qui crie Amen. Mais où est la personne qui aimait mon œuvre? Dieu t'a placé parmi les commandos. Fais bien ton travail. Dieu t'a placé dans la sécurité. C'est Dieu dans la sécurité. Dieu t'a dit, c'est toi qui dois nettoyer les toilettes. Nettoie bien les toilettes. Parce que c'est ce que Dieu t'a connu. Frère, il y a un homme de Dieu qui est décédé. Il s'appelait Yongin Chon. Un grand homme de Dieu qui avait l'une des plus grandes églises du monde. Un homme qui était général est rentré dans son église. La Corée du Sud. C'est là-bas qu'il vivait. Et ce général était tellement craint. Mais lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, il a pris le département de l'assainissement. Donc ceux même qui le regardaient à la télé ne comprenaient pas pourquoi un tel homme peut nettoyer les toilettes. Un homme aussi béni. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu cherches comme rôle? Ah non, moi je veux être protocole. Je veux être dans les photos de papa Bishop. Ah non, moi je veux être à la caméra. Moi je veux... Pas parce que c'est des... Non, béni soit mes enfants qui font ce travail. Mais la plupart des caméramens que vous voyez ce matin n'avaient aucune notion de la caméra. Mais ils se sont jetés des ont dit, pour Dieu, on va apprendre. Mais je parle des personnes qui viennent avec déjà une position qu'on doit les mettre vers où c'est bon. Non, quand on sait Dieu partout. Regardez les femmes de l'école du dimanche. Elles ne voyaient pas papa Bishop. Elles ne voyaient pas maman Bishop. Ce matin, maman, par l'esprit de Dieu, s'est arrêtée et est allée les bénir. Parce que pendant un an, elles peuvent ne pas toucher leur père. Pendant un an, elles peuvent ne pas toucher leur mère. Elles s'occupent de nos enfants. Elles éduquent nos enfants. Mais vous pensez que Dieu va les oublier? Non. Parce que ce qui importe, c'est pas quand ton père te touche. C'est quand Dieu est content de toi. Ce qui importe, c'est pas quand ta mère te touche. C'est quand Dieu est content de toi. Tu es le fils chéri de papa. Et après, tu es la fille chérie de maman. Et après, est-ce que tu es la fille chérie de Dieu? Est-ce que tu es le fils chéri de Dieu? Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Ce matin que Dieu change le cœur. Ce matin que Dieu nous rapproche de lui. Ce matin que Dieu nous appelle. Que Dieu nous touche. Que Dieu nous touche. Oui. Nous sommes friands de sensations fortes. Nous sommes friands de prophéties. À quoi sert une prophétie? Lis bien Habacuc 2, le verset 3. C'est une prophétie dont le temps est déjà, elle ne mentira pas. Si elle tarde, comment quelque chose que Dieu a dit peut tarder? Qui peut bloquer ce que Dieu a dit? La Bible dit que son oui est oui, son non est non. Qui ferme, qui peut ouvrir? Qui ouvre, qui peut fermer? Écoutez, Habacuc 2, le verset 3 est un verset très profond. Hein? Il faut le lire par mot pour le comprendre. Ce n'est pas la prophétie a déjà un temps. Tu vas comprendre ça. Quand on dit que le culte commence à 9h, si tu arrives à 7h, est-ce que tu es en retard? Si tu arrives à 8h, est-ce que tu es en retard? Bon, on dit que le culte commence à 15h. Si tu arrives à 10h, est-ce que tu es en retard? Même à 13h, est-ce que tu es en retard? Parce que l'heure est déjà fixée. Mais on dit que si tu tardes, comment je peux tarder? L'heure est déjà fixée. On ne parle plus de retard quand l'heure est fixée. On ne parle plus de retard quand le temps est fixé. La prophétie a déjà un temps fixé. Mais on parle de retard. Si elle tarde, ça veut dire que malgré le temps fixé, elle peut être en retard. Qu'est-ce qui peut retarder la prophétie? Ton cœur. Dieu a parlé, oui, mais toi, ton cœur n'est pas encore prêt. Voilà pourquoi elle tarde.
Ah, Dieu m'a dit, je serai béni. Ah, tel prophète a prophétisé. Il faut nous voir toujours en train de nous plaindre, en train de nous plaindre, en train de nous plaindre. Tout vient des autres. Moi, on ne voit jamais ce que nous faisons qui est mal devant Dieu. Ah, il a dit, je serai béni. Il a dit, je ne comprends pas. L'année passée, ils avaient prophétisé. Oui, Dieu prophétise parce qu'il sait ce qu'il va faire. Mais toi, où est ton premier amour? Assieds-toi et sers Dieu. Assieds-toi et mets Dieu en avant. Assieds-toi et donne la priorité à Dieu. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Pourquoi Dieu bénira toujours Bishop César Cassier? Parce que quand je me réveille le matin, mon épouse et moi, la première image que nous voyons est l'image là où Dieu nous a enlevés. Frère, souvent aide-toi à rester sur le bon chemin. Mets dans ton entourage les choses qui te rappellent là où Dieu t'a pris. Aujourd'hui, tu es le grand bishop. Tu as des enfants dans le monde. Mais hier, tu n'étais rien. Tu étais un jeune que j'ai appelé depuis Bassam. Tu es un jeune qui avait une cellule appelée Bethel. Il y avait juste 3-4 personnes, mais je t'ai utilisé. Aujourd'hui, même si tu deviens grand, souviens-toi. La plupart des hommes de Dieu que Dieu utilise, c'est ceux qui ont une mémoire. La plupart des chrétiens que Dieu élève, c'est eux qui ont une mémoire. Je regarde souvent la toile. Et puis je me rends compte qu'il y a certains pasteurs, certains chrétiens qui sont frustrés. Dis comment? Parce qu'ils regardent quelqu'un et puis disent, mais lui là, comment il peut être béni? Moi je vaux que lui. Moi j'ai la rhumatologie que lui. Ah, moi je viens à l'église qu'elle. Moi je fais comme ça. Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout de tes paroles. Dieu s'en fout de ta manière. Dieu t'en fout de... Dieu dit, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Ton cœur là, il y a quoi dedans? C'est blanc ou c'est noir? Tu peux avoir les Dieu dit et puis ton cœur est noir. Dieu va te lâcher. Les gens vont t'acclamer, acclamer tes prédications, mais Dieu ne va pas te bénir. C'est Dieu qui met dans la tête de quelqu'un l'envie de venir s'élever dans ta vie. Si Dieu enlève ça, tu es un pasteur qui est zéro. Aujourd'hui, un pasteur est élevé parce que quand il prie pour quelqu'un, Dieu touche le cœur de la personne pour dire va bénir mon serviteur. Mais si Dieu ne met pas dans son cœur, comment il peut te bénir? Comment? Comment? Maintenant, tu n'auras que des chiffres. Ah, moi, je suis un père. Je suis père. Ah. Moi, je suis une mère. Hein. Respectez-moi. Hein. Ça me rappelle une chanson ici. Frère, le respect, c'est quand Dieu t'a béni. Les gens respectent ton parcours. Ils voient que Dieu a été avec toi. Tout le long de ta vie, Dieu te regarde. Il y a des bénédictions que Dieu ne te donnera pas parce que ça va te tuer. Il t'a donné déjà 10 millions. Qu'est-ce que tu en as fait? Regarde, reprends le papier. Tu as tout utilisé, sauf pour faire la volonté de Dieu. Seul pour investir en Dieu. Regarde, tu as même promis, même pour la bâtisse. Mais tu as commencé. Où en es-tu aujourd'hui? Mais regarde, tu es toujours prêt pour autre chose. Qui est la priorité? Où est ton premier amour? Où est ton premier amour? Voilà les pasteurs qui sont auprès de moi. Souvent je ne suis pas là. Tel enfant ne devant seul aurait de passage à Abidjan. Papa, il y a telle personne qui a laissé une enveloppe. Je lui dis, ouvre, c'est combien? Il dit, c'est tel nombre de temps. Il dit, ok, il y a quoi à l'église? Il dit, non, il y a la facture de courant. Avec combien? Presque 1 million, paye. Dieu, il va me laisser. Pourquoi? Parce que je fais son affaire. Parce que je ne peux pas en avoir. Et puis sa maison va manquer. C'est ça. On ne sert pas Dieu pour se servir. On sait Dieu pour le servir. Beaucoup sont rentrés même dans le ministère avec un esprit de s'enrichir. Tu penses qu'offrande enrichit? Mon ami, après ces combien d'années de ministère, laisse-moi te dire que tu as menti. Si c'est pour ça, tu passes de chez fidèle en fidèle pour dire fais-moi une offrande à moi. Mon ami, tu as tiré dans l'arbre. L'offrande n'enrichit personne. Mais par contre, Dieu enrichit. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui, ce n'est pas les offrandes des fidèles, ce n'est pas les dîmes des fidèles, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est quoi cette bénédiction? C'est quand Dieu met sur toi une étoile qui t'ouvre des portes. Dieu ne te donne pas un fidèle qui va venir te poser 500 millions, mais il peut te montrer quelqu'un qui est malade et qui est milliardaire. Quand tu le bénis, tu le guéris au nom de Jésus-Christ, il dit, pasteur, je peux faire quoi pour toi? Ça, c'est Dieu qui enrichit.
Comme ma mère, maman Charlotte, nos billets d'avion, quand on doit se déplacer, on se déplace en première classe. Pas parce que on est orgueilleux, mais parce que j'ai pu voir en quelqu'un, d'un jeune footballeur, que tout le monde a rejeté, que tout le monde a escroqué. J'ai enlevé de l'argent, 200 000 francs CFA, qui fait 300 euros, et j'ai donné à son père pour qu'il aille faire un essai. Le jour où ce monsieur l'a réussi à Paris, il m'a dit, papa, je ne peux pas venir à l'église à cause de mon nom, parce que les gens vont venir à cause de moi et non de l'église. Mais ton problème est mon problème. Ta prière m'a fait. Ce que tu demandes, je te donnerai. Frère, quand je dois partir à Paris, j'appelle maman. Il paye le billet même avant même que je n'arrive. Maman, c'est faux ce que je dis. Bien-aimé, à qui fais-tu du bien? L'œuvre de Dieu ne te taille jamais. Quand tu vois un homme de Dieu qui est élevé, ceux qui cherchent les raccourcis disent, oh, il fait quoi même? Lui là même, il est dans quoi? Il n'est pas dans quelque chose. Il est dans un cœur qui est bon. Il a un cœur qui est blanc. C'est pourquoi Dieu met les hommes sur sa vie. Il met les gens devant lui. Et c'est pourquoi Dieu l'élève. Je prophétise sur ta vie. Que Dieu change ton cœur. Que Dieu change ton cœur. Un cœur qui aime Dieu sans rien attendre en retour. Un homme qui aime Dieu. Une femme qui aime le Seigneur. Vous voyez, Jésus avait dit, tu seras marié, on serait des milliers à venir s'aimer. Parce qu'on ne pense qu'à nous. Nous, moi. Mais toi, tu as combien d'années de vie? Après quoi vient l'éternité? Quand on parle de Dieu, c'est de toi qu'on parle. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est ce Dieu-là qui vit en toi. Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Attends, c'est mon fils avec qui on s'est mis dans l'avion là. Oh là là, viens, acclame le Seigneur très fort. Effectivement, maman, tu te souviens? Le dernier voyage, il est venu, il a dit, je te suis en direct, papa, mais je viendrai là-bas. Je te vois en direct, mais je ne t'ai jamais vu. Permets-moi de te toucher, mais je viendrai. Je suis là pour les vacances, mais je viendrai à l'église. Je veux que tu acclames le Seigneur pour ce frère. Que Dieu te bénisse. Que tout ce que tu souhaites ce matin, que Dieu te l'accorde en repartant chez toi, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour lui. Acclame très fort le Seigneur. Tu es béni. Dieu ne ment jamais. Il était là, il nous a vu, on était en première classe. Il nous a vu, il a salué. Mais première classe, ça même est étonné. Parce qu'il sait que le gars est là. Souvent même, les premiers instants, mais comme on a mis là-bas, il ne veut pas manger. La première fois, j'ai voulu tout manger. Parce que, en fait, je voulais enlever mon billet. Oh, j'ai vu que les blancs vont te tuer. Hein. C'est un mec qui vient te demander encore. Vous ne voulez plus rien. J'ai dit à ma femme, mais les blancs sont méchants. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont me pomper jusqu'à. Bien aimé, que Dieu te mette au large. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu es élevé. Le peu que tu fais déjà, regarde comment Dieu te récompense. Souvent tu te demandes comment je vais manger le lendemain. Mais jusqu'au soir Dieu te donne. Cette main ne t'a jamais menti. Cette main ne t'a jamais trompé. Cette main ne t'a jamais abandonné. Cette main est fidèle. Le Dieu de l'alliance est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Ce que tu n'as pas pu avoir, ne dis pas Dieu m'a trompé. Ton enfant aura ça. Je suis le fils d'un homme qui est décédé en 2017. Toute sa vie, il a lutté pour les agents des douanes de la Côte d'Ivoire. Toute sa vie, il a fait pour les autres. Le jour où il mourait, il a dit, ce que je n'ai pas eu de mon vivant, toi mon enfant et tes frères, vous aurez cela. Le jour où mon père a fermé les yeux, 2 mois après, une semence que moi et ma femme, on n'a jamais attrapé est tombée. Dieu m'a dit, ce que je n'ai pas fait pour ton père, je le ferai sur ta vie. Je déclare ce matin, ce que Dieu n'a pas fait pour ton père, il le fera pour toi. Il ne trahit jamais. Il n'abandonne. Ah Jésus, ce que j'attends de toi, c'est ton premier amour. Comment tu t'habilles pour venir à l'église? Ta façon même de te vêtir démontre comment tu considères Dieu.
Regardez le 31 comment nous sommes habillés. Le 31, quel est le pasteur qui dit à son fidèle, va faire tes cheveux? Le 31, quel est le pasteur qui dit à ses fidèles, va payer une nouvelle robe? Non, personne ne dit. Mais chaque être humain est conscient que pour me faire plaisir, je dois bien me mettre pour entrer dans la nouvelle année. Mais chaque dimanche est une nouvelle semaine pour nous. Comment nous nous mettons sur notre 31? Chaque jour quand nous venons dans les cultes du soir est une opportunité pour nous. Mais comment nous nous présentons à Dieu? Pourquoi nos habits simples sont constitués pour venir le soir? Et pourquoi souvent nos habits légers sont faits pour venir le dimanche matin? Dieu ne change pas les après-midi et Dieu ne change pas les matins. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le jour où je dois être reçu par Dieu, je suis toujours sur mon 31. Le président te reçoit mardi soir. Tu vas porter ta pète? Ah, parce que c'est mardi soir. Le président te reçoit vendredi soir. Tu vas porter ta pète? Ah non, parce que c'est vendredi soir. Le président, il te reçoit, tu es toujours bien mis. Pourquoi? Parce que c'est le président. Quand Dieu t'appelle dans sa présence, tu dois être toujours bien mis et bien mis. Parce que c'est Dieu qui t'appelle. Respectons la présence de Dieu. Prends soin de ta chevelure. Prends soin des vêtements. Écoute, dans la vie, ce n'est pas le vêtement cher qui donne de la beauté. C'est la manière de se vêtir qui donne de la beauté. Il y a des gens qui portent des habits chers, mais ce n'est pas joli. D'autres portent des habits moins chers, mais savent le mettre en valeur. Et tout le monde commence à les voir pour modèle. Prends Dieu comme quelqu'un de grand. Habille-toi d'une certaine manière pour venir le voir. Ça aussi, c'est respecter sa présence. Si tu peux te parfumer, parfume-toi. Parce qu'en allant chez une autorité, tu te parfumes, non? Mais pourquoi en allant chez le roi des rois, tu ne le fais pas? Pourquoi tu n'as pas peur de prendre les habits où tu es quitté au marché pour venir avec cela? Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas mettre des habits de rechange pour te changer et rentrer dans la présence de ton Dieu en étant une femme respectable, un homme respectable? Pourquoi peux-tu porter des jeans déchirés avec des tapettes pour entrer dans la maison de Dieu et ton cœur ne saigne pas? C'est parce que le Saint-Esprit t'a déjà quitté. Ce matin, je prie que tu reviennes à ton premier amour. Est-ce qu'on peut lire un verset? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 21. Asseyez-vous. On lit ensemble à 3. 1, 2, 3. L'Éternel Dieu fit Adam et à qui? Des habits. Qui a fait les habits? Il a mis ça à qui? Et il les a revêtis. Quand Adam et Ève ont approché Dieu, quand ils ont désobéi, la désobéissance t'amène à ne plus considérer la présence de Dieu. Ils ont porté des habits façon, les habits déchirés, parce que les habits de feu, il y a des ouvertures. Donc ils ont porté ça, des habits bizarres, pour venir dans sa présence. La première des choses que Dieu leur a enseigné, c'est que on me considère. Personne ne vient dans ma présence avec ce genre de vêtements. Dieu a enlevé les anciens vêtements. Dieu lui-même a fait des vêtements de peau et puis les a recouverts. Ce verset de la Genèse montre que Dieu fait attention aux vêtements avec lesquels on se présente devant lui. Il ne faut pas penser que souvent ta prière est bloquée par ton vêtement. Dieu regarde et dit, mais celle-là, écoutez, ce problème de vêtements disqualifie les chrétiens beaucoup. Parce qu'on est tellement habitué à ne rien prendre au sérieux, y compris la présence de Dieu, que nous partons souvent dans des entretiens d'embauche avec des vêtements qu'il ne faut pas. Écoutez, quand quelqu'un veut embaucher quelqu'un, ce n'est pas d'abord ton diplôme. Il regarde si ton apparence, c'est-à-dire ton apparence va ensemble avec sa philosophie. Est-ce que la manière dont tu es? C'est pourquoi vous voyez nos soeurs et frères, quand ils vont demander de travail, ils sont habillés comme des DG. Parce que tout le monde veut des employés propres. Mais toi, tu viens dans la maison de Dieu avec des agneaux. Et tu prends comme un argument, je n'ai pas où. Dieu est tellement bon qu'il t'a donné quelque chose. Frère, moi qui te prêche, j'avais un seul costume. Ce costume-là, quand tu ouvres mon placard, c'est le premier costume que tu trouves, malgré tout ce que Dieu m'a donné. Parce que c'est de là que je viens. Ce costume-là, je savais le mettre en valeur. J'avais quelques cravates. Je porte le haut, je change le pantalon. Je change le pantalon, je porte le haut. Je change la chemise, je change la cravate. Le même costume pour plus de 3 ans, j'étais dedans. Personne n'a su. Je n'avais pas. Mais ce petit costume, Dieu m'a permis de le mettre en valeur. Mais j'ai dit, je n'irai jamais dans la présence de Dieu avec des agneaux. Toujours bien habillé. Et toi, quelle est ta philosophie? Quelle est ta façon de penser? Respectons la présence de Dieu. Numéro 2, n'ayons pas l'orgueil. L'orgueil, mes enfants,
C'est quand tu es trop loin et puis on ne peut plus te parler. Quand tu es trop fidèle de BCK et puis on ne peut plus te parler. Tu viens à l'église, la soeur qui sert dans les hôtels te dit, mon frère, asseyez-vous ici. Non. Là. Et tu penses que tu es en train de servir Dieu? Et tu penses que tu es en train de servir Dieu? Laisse-moi t'expliquer ce que tu viens de rater. La soeur qui t'a parlé est celle qui t'accueille. Il y a des anges qui sont dans l'église que tu ne vois pas. Ils ont parlé par la bouche d'un homme pour prophétiser sur la vie d'Abraham. Il peut passer par la bouche d'une hôtesse pour te montrer la chaise de ta bénédiction. Il peut te dire va t'asseoir là, mais ce n'est pas elle, c'est l'ange qui te dit va là-bas. Et toi tu dis je vais ailleurs. Et quelqu'un d'autre prend ta bénédiction parce que tu as désobéi. Chaque dimanche nous venons, mais la place où nous asseyons est déjà prévue par Dieu depuis le commencement du monde. Quand je viens dans l'église, là où Dieu me dit assieds-toi, je m'assois là-bas. Parce que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui elle me dit ici, c'est que c'est Dieu qui veut me bénir là. C'est compliqué à comprendre ça. C'est compliqué. Mais ton orgueil, on ne me parle pas comme ça. On ne me montre pas où on va m'asseoir. Quand tu rentres dans l'église, ton galon quitte. Ton diplôme quitte. Ici, nous sommes tous enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Personne ne rentre ici grand. On rentre enfant. Un enfant obéit. Un enfant s'assoit, tu lui dis de s'asseoir. Un enfant n'a pas de rancune. Un enfant est dans la joie. Un enfant a la foi. Un enfant a le bonheur. Est-ce que quand tu regardes ta vie, là, elle ressemble à la vie d'un enfant? Dis amen et je prêche. Le donner. Ah, le donner. Nous aimons Dieu jusqu'à la porte du donner. Nous aimons Dieu jusqu'à la porte du donner. Regardez dans nos églises. Un jour, je suis allé à un culte chez mon père spirituel. Et pendant qu'il était en train de parler, il a dit, je déclare maintenant, tous ceux qui sont en train d'aimer la semence pour s'aimer pour Dieu, que Dieu vous visite. J'ai dit, l'onction que j'ai vue là, c'est quand, comme quand nous on dit reçois l'onction là, de prophétesse là. C'est la même chose. Les gens tombent. Les gens sont balancés par l'esprit. J'ai dit à ma femme, aïe. Il dit donner. Il donne pourquoi? Parce que leur amour c'est ça. Les gens, les anglophones, pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, mais ce que mes yeux ont vu, je ne peux pas le cacher. Lorsqu'on dit donner, c'est là que tu les vois en joie. Parce qu'ils savent que quiconque donne à Dieu ne peut jamais rester dans la faim. Il donne de la sémence à qui? Au semeur. Il donne de la sémence à qui? À ceux qui sèment. Celui qui ne sème pas, tu vas toujours te plaindre. Je ne reçois rien. Parce que quand tu te donnes, tu ne peux jamais donner. Pourquoi donner à Dieu te fait si mal alors qu'il t'a donné la vie? Pourquoi? Quand tu cries à Dieu, quand tu es malade, il te donne la guérison. Quand tu as des problèmes, il te donne la solution. Mais pourquoi pour donner pour lui, tu dois parler d'abord. Te plaindre d'abord. Ton cœur est serré. Écoutez, je peux vous dire un secret. Beaucoup de gens ont donné, mais Dieu a refusé. L'église a pris, mais Dieu a refusé. Vous savez pourquoi? Parce que ton cœur a trop parlé. Dieu, il veut le respect. Ce n'est pas ton don là qui l'intéresse. Parce qu'à lui appartient l'or et l'argent. Mais la manière, le respect avec lequel tu donnes. L'amour avec lequel tu donnes. Un don où on parle trop dessus. Dieu est touché. Tu veux donner, donne. Tu veux pas donner, ne donne pas. Mais ne donne pas avec des paroles. Je te dis, tu vas faire des économies au moins. Au moins tu sauras cela. Et que je parle à quelqu'un. Et que je parle à quelqu'un. Ce qui fait grandir une église, c'est ce genre de message. Ça nous ramène vis-à-vis de Dieu. Ça nous montre notre véritable volonté de le servir. Ce n'est pas là tu seras béni. Ce sont les promesses de Dieu. Mais c'est lui qui accomplit ses promesses. Si lui n'accomplit pas ses promesses, qui l'accomplira? Donc ne dis pas je suis à BCK depuis longtemps. Ça ne compte pas. Ça te rapproche de l'onction. Ça te rapproche de l'alliance. Mais à quoi sert de se rapprocher si jamais tu ne touches pas? Je suis proche de la chair. Je tourne autour pendant 20 ans. Mais je n'ai pas la foi de toucher. À quoi ça sert? Tu es auprès d'un homme de Dieu que Dieu utilise. Des gens, un homme de Dieu avec ta mère, que des nations recherchent à voir pour qu'ils prient pour eux. Toi, chaque nuit, chaque matin, tu l'as avec toi. Dieu t'a mis là comme, il a mis tes parents là comme un robinet. Quand tu ouvres, il y a l'eau. Mais tu dis non, je ne comprends pas, je ne me suis pas lavé. C'est toi qui ne veux pas rentrer dans la douche. Tiens, le robinet est là. C'est comme ça. La gloire est là. La bénédiction est là.
Mais ta décision doit compter ce matin. Décide de changer. Tu es venu à l'église pas pour être dans un groupe. Si ton voisin ne veut pas se lever pour s'aimer souvent, toi tu sais ce que tu recherches. C'est pourquoi dans la vie, les montagnes ont toujours de la place en bas, mais peu de place au sommet. N'importe qui ne va pas en haut, n'importe qui n'est pas élevé. Si jamais tu avais pris le mauvais chemin ce matin, Dieu te parle et te dit: reviens à ton premier amour, reviens vers lui, reviens vers ce que tu faisais avant. Tu évangélisais, va évangéliser. Tu donnais à Dieu, donne à Dieu. Tu promettais, tu faisais, fais-le. Ne fais pas comme les autres. Si les autres ne le font pas, ils savent sur quoi ils comptent, mais toi, tu n'as compté que sur Dieu depuis le départ. Il n'y a que Dieu qui peut te permettre d'arriver. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen fort. Au nom de Jésus-Christ. Il y avait une femme qui était au niveau de Port-Boué. Elle faisait partie d'une église assemblée de Dieu. Elle habitait à Kumasis. Et un jour, elle a entendu parler d'un programme que je faisais à la cité douane de l'aéroport. Alors, elle s'est levée et est venue à ce programme. Elle a été touchée par ma façon de prêcher, touchée par ma façon de faire. Quand je prêchais, elle avait comme l'impression que c'est à elle que je parlais. Comment savoir que le Père est ton Père? Parce que tu as comme l'impression que c'est ta vie qu'il prêche. Tu as comme l'impression que quand il prêche, c'est pas parce que tu ne connais pas d'autres pasteurs. Hein. Tu vois d'autres pasteurs, tu connais d'autres pasteurs. Mais tu ne peux pas expliquer. Il y a quelque chose, non? C'est comme une maman et son enfant. C'est le sang qui les relie. Tu ne vois pas le sang les relier, mais il y a quelque chose qui les relie. Un fidèle, loyal et sa maison, il y a un truc qui les relie. Tu peux même le prendre pour aller faire culte pendant 20 ans. Le jour où tu le lèves, tu le retrouves chez lui. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de chez lui qui n'aura jamais chez toi. Écoute, un enfant loyal a toujours un argument de rester dans la maison. Elle a aimé ça. Et elle a dit: j'habite à Kumasi, je n'ai pas de transport. Mais je sais, je vais marcher pour aller écouter l'homme de Dieu à Derewaf. Elle s'est levée à 5 heures. Elle a marché. Elle a marché. Elle a marché. On l'a surnommée Flyers, pour ceux qui la connaissent. Est-ce que d'autres étaient... Voilà. Tout cela était là-bas. Elle marche. On dit: quel rôle tu veux faire? Elle dit: m'occuper des enfants. Elle a commencé à s'occuper des enfants. Matin, essayez toujours. Hein. Un matin, le père n'était pas là. La mère n'était pas encore arrivée. On n'était même pas encore venu. Elle est arrivée. L'une des premières à l'église. Elle dit: aïe, papa est toujours là tôt. Est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Et puis il y a une voix qui lui a dit: ce n'est pas papa qui te bénit. Ce n'est pas maman qui te bénit. C'est mon serviteur, c'est ma servante. Mais l'alliance qu'ils t'ont présentée est ce qui va te bénir, même s'ils sont absents. Elle dit, quand elle a entendu la voix, elle s'est agenouillée comme ce frère devant l'autel. Elle dit, quand elle s'est relevée de l'autel, authentique, le sang s'est arrêté. Écoute-moi. Il est très difficile pour un homme de Dieu de parler et de dire des noms et d'avoir des témoins. Ce que j'ai dit, quand j'ai commencé, là, ils ont levé les mains parce qu'ils ont vécu cela. Les témoignages de BCK. Les témoignages ici, il y a toujours des témoins. Ce n'est pas le pasteur où il raconte et puis il n'y a pas quelqu'un. Frère, combien d'années en arrière, tu as stoppé le sang? Parce que mon serviteur n'est pas là, ma servante n'est pas là, mais l'alliance qu'ils t'ont présentée là, moi je suis là, je vais te guérir. Et c'est ce qui va se passer pour toi. Je ne peux pas te toucher chaque dimanche, mais l'alliance va te guérir. Je ne peux pas te toucher chaque dimanche, mais l'alliance va te... Acclame très fort le Seigneur. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Parce que le Saint-Esprit me dit, je vais continuer à leur parler. Tu sais pourquoi Dieu te parle ce matin? Parce que Dieu voit que tu es sorti du cadre. Et avec quoi le diable t'attire? Ce n'est pas une injure. Mais souvent que nous désobéissons à Dieu, nous devenons un peu comme des poules. Et vous voyez dans nos villages, les voleurs font quoi? Ils mettent des grains de maïs. Et ils attirent la poule dans la brousse, n'est-ce pas? Et quand la poule est séparée de sa cour, on la prend, on la tue. Tu ne seras pas tué cette année. Tu n'es pas la poule de quelqu'un. Tu n'es pas le sacrifice de quelqu'un. À partir de ce message, même si tu t'es sorti de la cour, de l'alliance, de la volonté de Dieu, retourne rapidement. Parce que Jésus-Christ est là ce soir. Je déclare sur ta vie ce matin la victoire dans ton camp. Dis-moi, amen, cette fois et le soir.
Dis amen cette fois encore et Dieu change ton cœur. Acclame très fort Jésus. Gloire à l'Éternel. Ce matin, à qui Dieu a parlé? À qui Dieu a parlé? Vous avez vu Dieu? Il ne descend pas, mais il parle. On a parlé de retraite. Dieu dit à son fils, va témoigner. Va leur expliquer à tes frères comment tu es venu dormir sans même que ton pasteur t'ait dit. Et je t'ai guéri. Maintenant, imagine que j'ai dit à mon serviteur, puis t'a dit, imagine. J'ai dit, les vérités bibliques sont là. Où Jacob a dormi, c'est là-bas qu'il a rencontré Dieu. Ton Bethel, c'est ici. Et Dieu dit que dans les temps qui viennent, il va te visiter. Prends ta petite natte. Viens mettre là. Viens à l'heure. Ne viens pas pour causer avec des gens. Ce n'est pas un week-end de causerie. C'est pas un week-end où tu es venu pour dire bon, on est ensemble, on rigole. Non. Tu es venu dans la présence de Dieu. Là où ton père prêche tous les jours, là où les gens prient tous les jours, là où l'Éternel te bénit tous les jours, viens là pour dire papa, je ne laisserai pas dans ta main comme Jacob. Tant que tu ne me bénis pas, je ne sortirai pas de là le dimanche. Je rentre vendredi. La Bible déclare que toi, 3 jours t'ont permis de sortir de la mort. Vendredi, samedi, que dimanche je sorte avec mon miracle. Est-ce qu'un enfant de PCK croit en cela? Si tu crois, dis amen fort. Et acclame Jésus comme tu ne l'as jamais acclamé. Que toute la gloire te revienne, papa. Que toute la gloire te revienne, mon Seigneur. Tu as dit ce que je vous reproche. Je connais ce que vous avez fait. Je sais ce que cette église représente. Vous êtes une force spéciale entre mes mains. Vous êtes l'armée du combat. Mais ce que j'ai contre vous, c'est que je ne vous vois pas comme je vous avais vu au départ. Que chacun de nous se mette devant la face de Dieu. Tu vas fléchir genoux ce matin. Et tu vas demander pardon à Dieu. Si ce message, tu penses que cela te concerne, à quel moment j'ai abandonné la main de Dieu? À quel moment j'ai oublié le Seigneur? À quel moment j'ai abandonné mon Père? À quel moment? Prie ce matin. Parle au Seigneur. Dis-lui, Père, j'ai besoin de toi. Ce matin, je me couche devant ta face. Je ne suis personne. Je n'étais personne. Tu m'as pris de la boue et tu m'envoies à la table des grands. Seigneur, j'ai été influencé. Seigneur, je me suis laissé prendre par les pièges. Mais ce matin, ta parole me ramène à toi. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas me perdre. Ramène-moi dans ta parole. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Bien-aimé, rentre en toi-même. Car ce matin, Dieu veut te toucher. Seigneur, viens ce matin, envahis-nous de ta présence. Que nos vies changent, que notre cœur change. Est-ce que tu peux parler à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux parler à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux t'humilier devant Dieu? Le vêtement que tu as porté n'a pas de valeur devant lui. Le vêtement que tu as porté n'a pas de valeur devant ton Père. Le vêtement que tu as porté n'est pas plus propre que le sang qu'il a coulé à la croix de Golgotha. Est-ce que tu peux t'humilier devant sa face? Si tu nous suis en direct, prosterne-toi devant le Seigneur. Et dis-lui, Seigneur, pardonne mes fautes et mes péchés. Agenouille-toi devant lui. La Bible dit tout genou fléchi. Ce matin, ce message t'a parlé. Dis, Seigneur, c'est parce que tu m'aimes que tu m'as parlé ce matin. Continue de parler. Continue de parler. Nous venons les dimanches pour chercher sa face. Nous venons les mardis pour chercher sa face. Nous venons les vendredis pour chercher sa face. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai. J'ai jamais considéré ta présence. Je porte toujours des vêtements sans valeur. Mais ce matin, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris, Seigneur. Je ne me présenterai plus à toi dans des vêtements qui n'ont aucune importance.
L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. La présence de Dieu est en train de remplir cette salle. Et pendant que tu es en genoux, les chaînes vont être brisées. Le Seigneur dit, pourquoi tu tardes? Parce que tu m'as oublié. Parce que tu ne m'as plus mis en première position. Mais ce matin, je te libère. J'ai vu ton cœur. Ton cœur a saigné pendant que mon serviteur parlait. Ton cœur a commencé à regretter. C'est pourquoi je tisse alliance avec toi encore ce matin. Dis-lui, Seigneur, je me suis cherché par mes propres forces. Mais j'ai compris que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds et acclamer très fort le Seigneur? Crois-moi, tu peux faire plus que ça. Alléluia. Souvent le ministère est attaqué. Souvent le ministère est combattu. Souvent, les pasteurs le savent. Nous venons le matin très tôt et nous trouvons des fétiches devant l'église. Et je dis, Seigneur, je ne suis pas venu d'ici moi-même. C'est toi qui m'as envoyé. Si cette œuvre est de toi, aucun malheur n'atteindra cette église. Voilà comment nous sommes là depuis des années. Les gens combattent. Des hiboux rentrent dans l'église et meurent. Parce que Dieu est pour nous. La plus grande chose qu'un homme puisse posséder, c'est la présence de Dieu dans sa vie. La plus grande chose qu'une femme puisse posséder, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Cette année, en tant que ton père, je prophétise sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Si cette prophétie est pour toi, acclame Jésus. C'est quand les temps sont durs que Dieu voit ceux qui sont durs attachés à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je veux demander à quelqu'un qui veut repartir avec le Seigneur Jésus. Ce matin, tu as entendu cet évangile. Et tu sais que dans ton cœur, tu n'avais pas le premier amour. Il y a des gens qui sont au portail là-bas. Et leur rôle, c'est de garer les voitures. Tu sers Dieu. Tu sers Dieu. Les gens qui écoutent papa, ils sont assis depuis le matin jusqu'au soir. Mais ils ne sont pas bénis. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur ne reçoit pas. À tous ceux, pas qui ont entendu seulement, mais à tous ceux qui reçoivent la parole et qui croient en elle, c'est ceux-là qu'elle donne le pouvoir de devenir enfant. Pas à tous ceux qui sont tout le temps à l'église. Tu es à l'église tout le temps, c'est bon. Et c'est ce qui est important. Mais comment ressortir de là béni? C'est en acceptant la parole. Tu peux être là-bas, en train de garer les voitures. Ne dis pas que je ne viens pas à l'église, moi je viens pour garer voiture. Non, tu viens pour servir Dieu. C'est là que Dieu t'a mis. Tu es là pour toi, tu viens pour balayer l'église. Ne dis pas que, ah, moi on ne me voit jamais. Personne ne me considère. C'est Dieu qui te considère. Tu vois, tu es là, tu nettoies les toilettes. Il y a un jeune homme de l'église. Actuellement, je parle, il est dans les toilettes là-bas, en train d'essuyer. Vous pensez que Dieu va l'oublier? Le Dieu que je sers, le soleil. As-tu vu un soleil sauter un petit village? Le plus petit des villages est éclairé par le soleil. Ta vie sera éclairée cette année. Ta vie sera éclairée cette année. Donne-moi le meilleur de tes amen. Si quelqu'un veut accepter Jésus ce matin, viens rapidement. Tu veux partir de nouveau. Et tu veux tout recommencer. Tu veux que le Seigneur te touche à nouveau. Tu veux qu'il parle à nouveau dans ta vie. Tu marches, tu viens à l'église, tu pries, mais tu te sens loin de lui. Tu sens combien de fois et tu ne le sens plus. Tu as comme l'impression qu'il s'est éloigné de toi.
Et ce matin, tu veux qu'il soit à tes côtés. David dit, ma force, ce n'est pas ma puissance. Ma force, ce ne sont pas les psaumes. Ma force, c'est que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et j'ai besoin de toi ce matin, Seigneur. Si tu es en direct aussi, lève les mains depuis ta maison ou le lieu où tu me reçois. Tu es ici, fais-le aussi, lève les mains. Et nous allons prier. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Lève les mains, dis avec mon Seigneur Jésus ce matin, comme le dit ce cantique, je veux partir de nouveau avec toi, naître de nouveau, repartir à zéro. Seigneur, je reconnais que j'ai changé. Je n'ai pas su cela. Mais ce matin, cet évangile était comme le miroir dans lequel je me regardais. Et j'ai compris que j'avais changé. Mon amour avait changé. Ma force avait changé. Mais ce matin, je veux repartir à zéro. Ce matin, je vais te redonner ma vie. Ce matin, te demander pardon. Ce matin, attraper ta robe. Seigneur, prends pitié. Et ce matin, lave-moi de toutes mes erreurs par ton sang et fais de moi ton enfant au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Et ce matin, qu'on ne te retrouve plus là où tu étais, que le diable vienne toquer dans l'ancienne maison, qu'il ouvre et qu'il voie que c'est vide. Tu es revenu dans la maison de ton Père. Acclame très fort le Seigneur pendant que tu repars à ta place. Et repars.